Alors les futurs entrepreneurs à leur arrivée, en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des pistes de travail. C'est d'avoir aussi des trucs et astuces qui leur permettent de peaufiner leur projet, mais surtout aussi de travailler leur légitimité. Très souvent, ce sont des personnes qui sont en reconversion. Et y compris pour ceux qui auraient fait de la vente, le problème, c'est qu'ils ne le font plus pour d'autres, ils le font pour eux-mêmes. Et ce problème de légitimité, il est assez fort. Le module développement commercial leur permet de prendre de la hauteur et d'identifier assez rapidement les pistes essentielles qu'ils vont devoir activer pour la réussite de leur projet. Alors, les solutions, on parle souvent des 5 jours pour entreprendre comme d'une formation. En fait, la manière dont on va aborder, nous, le sujet, c'est plutôt comme un entraînement. On n'est pas là pour leur donner simplement des informations ou pour les former, mais on est là pour leur donner des outils, des pratiques, des astuces pour leur permettre à la fois de maîtriser leur discours et puis aussi de construire leur plan d'action commercial. Donc, on fait des arrêts sur image et on les met aussi en situation. Ça leur permet aussi de développer la confiance. Alors, à l'issue du module développement commercial, nous, ce qu'on va chercher à faire sur une demi-journée, c'est qu'ils puissent repartir avec des pratiques et des outils immédiatement mobilisables. Donc, ils vont pouvoir repartir avec la technique pour construire un pitch et que ce soit un pitch pour leur entreprise, mais aussi quand ils vont aller voir un financeur, un banquier, une institution, ou tout simplement pour aussi attirer des candidats, mais également le plan d'attaque commercial, de savoir par où commencer. Et très très souvent, ils ressortent avec vraiment la pêche, parce qu'ils identifient que finalement, même avant de commencer, à portée de main, ils ont déjà beaucoup de choses à développer et beaucoup de contacts qu'ils n'auraient pas imaginé comme des leviers de croissance dès le démarrage et d'activation de leur business. Alors, à l'issue de la formation des 5 jours pour entreprendre, indéniablement, pour en discuter avec certains qui l'ont suivi, et d'ailleurs moi-même je l'ai suivi il y a de très nombreuses années, mais aussi avec les collègues qui interviennent, c'est de la confiance dans le lancement de leur projet ou la poursuite de leur projet, et c'est surtout que ça leur donne une feuille de route et les trucs et astuces, mais surtout qu'est-ce qu'il ne va pas falloir oublier et les erreurs à ne pas commettre pour garantir la réussite du projet. Bon, pour faire un bon pitch, il n'y a pas de recette miracle. Il faut savoir d'abord à qui je m'adresse, quels sont ses principaux enjeux, comment ma solution y répond, et surtout de se poser la question pourquoi j'y réponds mieux que les autres. Alors, c'est surtout pas l'inventaire à l'après-verre de tout ce que je sais faire, ni l'explication de mon catalogue. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'acteur de cinéma qui va le mardi soir à la télé pour parler de son film qui sort le mercredi. S'il vous raconte la fin, vous n'irez pas le voir. Donc, c'est vraiment comment susciter un maximum d'intérêt en sélectionnant des mots-clés qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire et qui vont faire mouche.